Dieu est tellement grand. Il est différent de tout ce qu'on appelle Dieu. Nous avons une grande joie parce que nous avons un vrai Dieu. Notre avocat. Il est notre avocat. Avocat a client. L'avocat, bien que son client est dans la, donc il n'a pas de raison. L'avocat ne déclarera jamais que son client n'a pas de raison. Pour justifier son client. On a qui est en matériel qui Barabbas et Barabbas a comment qui juste. Tu vois quand il s'était tenu, lui et Barabbas, et directement Barabbas était devenu juste. Même là où il y a un cause à un problème là Barabbas, à mon amour et sous ta commande à Jésus, crucifié. Même celui qui avait un problème contre Barabbas pouvait voir en Barabbas Jésus Christ qui doit être crucifié. Donc il voit tous les péchés qui étaient en Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Dieu me met à cœur avec l'intérêt que tu comprennes bien la parole de Dieu. Parce que ce que ce il a bien. Car si tu ne comprends pas bien la parole, là, il n'y a pas de vie. Le Seigneur a tiré le salut dans l'enseignement. Le Seigneur avait déposé le salut dans l'enseignement. C'est ça, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Il dit, puisque le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse, amen. Il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prière. Regardez là où Dieu a déposé le salut. Dans la prédication. Il ne faut pas blaguer avec l'enseignement. C'est l'enseignement qui garde le salut. Alléluia. Et c'est pourquoi, il faut toutes paroles justes et vraies. Voilà pourquoi nous les enseignants, nous devons vous prêcher une parole juste et vraie. Ceux qui parlent jetés à ma chair les âmes à la montée. Si la parole qui est prêchée à la chair n'est pas correcte, même si toi, peuple, tu pries plus fortement ta prière est belle. Amen. Tu ne verras pas Dieu. Ceux qui parlent les âmes à paix. Si la parole n'est pas bien prêchée, sache que tu ne seras pas sauvé. Même si tu te gardais bien sans péché, en réalité le péché c'est parce que tu écoutes un mauvais enseignement. Lorsque tu as un mauvais enseignement, voilà les grands péchés. Israël a tout un problème. Israël s'est rencontré avec des problèmes. Voilà pourquoi tu avais établi les sacerdotes. Pour les péchés. Amen. Donc, jour après jour, ceux qui Israël, Azur, la parole, bien sûr, tu m'as dit, parole des amis. Donc, lorsqu'Israël vivrait d'après la parole, les petites erreurs de la vie ne manquent pas.
aya nangoti na tempelo. Les petites erreurs qui feront ce qui l'amène la bête jusqu'au temple. Po bakata po na bolingi sa lisumo na ye. Afin que la bête soit immolée pour les pardons du péché. Là, tu ne verras pas que Dieu a un problème contre Israël. Non. Donc, il y aura même des milliers pour confesser. Donc, il y aura même des milliers d'Israélites pour confesser. Et Dieu est toujours bien avec Israël. Pourquoi? Parce qu'il avait mis le sacerdoce pour le péché. Mais tant que vous avez parlé de Dieu, fondant. Mais quand Israël a abandonné la parole pour adorer les veaux d'or, ou bien adorer les âmes des Sidoniens ou bien les âmes des Philistins, ou bien quand Israël adorait les dieux des Philistins ou des Sidoniens, le Seigneur a voyé à Israël a péché. Dieu viendra maintenant à ce moment-là pour déclarer Israël comme pécheur. Et Dieu s'énerve. Son problème c'est lequel? Enseignement. Israël n'a pas obéi à l'enseignement. Il faut t'en appartir le bien. Il faut bien faire la lecture. Dans ma église, nous sommes au monde. Avec toutes les églises dans le monde. Parfois, on va dire les il prêche parfois maintenant le péché. Attache-toi au Seigneur. Mais ils ont un mauvais enseignement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le péché. Mais puis ils ne verront pas le Seigneur. Il ne faut pas blaguer avec l'enseignement. Que ta vie aime l'enseignement. Tu connais le diable. Peut te laisser prier de 6h à 18h. Ça l'expérience. Mais il ne va pas te laisser la vie facile de lire la Bible de 6h jusqu'à 18h. Ça l'expérience. C'est seulement cette expérience. Il n'aime jamais. Il n'aime jamais qu'on reconnaisse le nombre que Dieu a établi dans les Écritures. Amen. Il n'aime jamais. Je te dis ça vrai. Amen. Bien. Prier beaucoup, c'est très bien. C'est très bien. Et ça Amen. Approche. Amen. Mais il faut t'en mettre aussi Bible plus. Mais il faut aussi plus lire la Bible. Comment on a tout ça la Bible? Tu verras quelqu'un quand il touche la Bible. Comment ça dit? Téléphone et lire. Téléphone sonne. Comment les rendez-vous? On continue après. Je vais continuer après. Car il claque la Bible. Amen. C'est pas comme ça que le diable t'apprend. Quelqu'un commence à lire. Voici sa page. Pour finir la page seulement. Et on a si bien la combat dans la part. Je pense que le diable te combat inutilement quand tu l'as. Ah, ça n'a besoin de toi, Baba, non, mais oh, la Bible, le dit pour toi, Bika. Il a besoin que tu ne saches le nombre que Dieu a établi pour que l'homme vive. Donc, ah, ça n'a besoin de toi, Yéba. Donc, il n'a pas besoin que tu saches le nombre. Le principe que Dieu a établi afin que tu vives. Ignorance na Israël et pourquoi pour Israël, vous êtes dans l'autre. L'ignorance en Israël peut te faire tuer comme ça physiquement. Tu n'as pas obéi celui qui t'a mis le pied. Et la première personne qui ira t'accuser chez l'ancien. Et puis c'est la même personne là à laquelle on dira selon Deutéronome verset 21 de larguer la première personne la pierre. Il y a la pierre. Après t'avoir lapidé, c'est après que les autres viendront maintenant te lapider également. Car tu n'as pas obéi à l'écriture. Aujourd'hui, récompense la mort. Et ta récompense, c'est la mort. Il faut que c'est l'enseignement. Voilà pourquoi il faut tirer très attention quant à l'enseignement. Vous savez, les rassemblements qui nous entourent. Ils nous respectent parce que nous possédons l'enseignement. Pose-leur seulement la question et te diront qu'en tout cas, les saints ont la sagesse de l'enseignement. La science élève. Ah. Donc, voyez, la connaissance des choses de Dieu élève.
C'est très important, voilà pourquoi j'insiste afin que toi, si tu veilles. Les choses de Dieu, ce n'est pas les titres. C'est plutôt le travail. D'ailleurs, moi, j'aime qu'on m'appelle frère. Frère, trop que prophète. J'aime trop être appelé frère que d'être appelé prophète. Mon frère, n'a pas co-héritier à Christ. Amen. On a omis les prophètes. Je préfère être appelé prophète. Les amis, moi, les prophètes. Oui. Mes frères, les amis, moi, n'ai pas co-héritier. Les prophètes, donc, c'est les serviteurs dans le travail. Mais le frère, c'est le fils du chef dans la vie. Ta frère et voilà, prophète. Voilà pourquoi j'aime être appelé frère qui est prophète. Cela veut montrer simplement que je suis co-héritier avec Christ. L'Écriture dit, dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, chapitre 2, il n'a point honte de les appeler frères. Amen. Donc, ça va bien être frère. Donc, pour que Dieu t'appelle frère, son frère, et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Frère, Dieu t'a béni, c'est pas son frère. Ça, ce n'est pas joyeux. Il avait accepté cela même quand tu étais encore mauvais. Amen. Il avait vraiment accepté cela. Ata Satan quoi au fond. Quelles que soient les accusations de tout des mal. C'est mon frère. Mais Dieu avait accepté et avait dit que je n'ai pas honte de l'appeler mon frère. C'est la plus de grandes choses. Parce que si vous êtes frère, car si tu es frère, au jouir, donc au angoluya, et donc aux âmes à tiens là qu'on a. Tu jouiras de la chose dont l'Éternel a posé dans sa maison. C'est là très utile. Cela est très important. À l'époque, on n'a pas eu le bandimi. On parle de ceux qui croient. À Pessi Bambo, pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Moi, Nazaré. Enfant de Dieu. T'as la carrière, ça cause moi dans mon bon Dieu. Regarde seulement comme naturellement parlant, on identifie quelqu'un d'être un enfant de roi. Moi dans mon bon Dieu. Un enfant de roi. À taille aux un ministre de ce qui est ressources humaines. Même si, hein? Même si tu es ministre des ressources humaines, mais moi dans mon côté, mais le fils du roi, téléphone à un ministre à Obama. Mais son téléphone, c'est même le coup d'appel du fils du président, le premier ministre là où le ministre des ressources humaines doit craindre. J'ai te dit vrai. C'est vrai. Moi dans certains pouvoirs, l'enfant c'est le pouvoir. Et t'as besoin ça de l'autorité ou dans un bâtiment. Et quand tu appliques l'autorité dont le Seigneur t'a donné, les âmes à la momie. Cela est très important. Nanda kwanzambe disomo ezate osatundeza. À la maison de Dieu, il n'y a pas de péché, seulement la sainteté. Tamo bemani moi nanzambe. Quand tu es appelé enfant de Dieu, misala nanzambe betalisama. Il faudrait que les œuvres de Dieu se manifestent. Obanga nanzambe. La crainte de Dieu. Bolingo yanzambe. L'amour de Dieu. Omi kitisa. L'humilité. L'humilité, Zanaki, arme monnaie, Dieu créateur du ciel a utilisé. Il faut savoir que l'humilité était toute une grande arme que Dieu avait utilisée. Philippiens 2, 5 et le dit. Philippiens 2, 5 dit. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Ayez le sentiment qui était en Christ. Celui qui était Dieu n'a point regardé cela comme étant une croix. Il s'est humilié lui-même. Donc ce sentiment-là de Dieu veut dire il s'est humilié lui-même. C'est rendu obéissant. Il s'est rendu obéissant. Amen. C'est ça. Amen. L'humilité. Amen. Dans le bagata, mon Dieu, ce sont vos yeux, ma parole, l'humilité, ce bâtiment. Amen. Dans le Dieu, orgueil, t'es les bâtiments. T'es commis, t'es les bâtiments. C'est l'humilité plutôt qui va s'ajouter. Au fur et à mesure, vos yeux, pas commis, t'es les bâtiments. Au fur et à mesure que la connaissance s'augmente, l'humilité aussi devient encore plus profonde.
Notre modèle, c'est Christ. Amen. Il s'est humilié. Amen. Pour à respecter la parole de Dieu. C'était afin qu'il respecte la parole de Dieu. Que Christ et Jésus a pas bon Amen. Que Jésus-Christ te bénisse. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 4. Nous avons un élément où il faut faciliter, puis surtout comprendre très bien l'Église. Nous sommes en train de saisir toujours les éléments qui vont nous faciliter la compréhension sur l'Église. Les nôtres ont touché trois présentations des hommes dans l'année. Aujourd'hui, nous toucherons trois présentations des hommes dans l'année. Et tout en Luc 4, nous lisons Luc chapitre 4. À partir du verset 16, et dans le verset 20, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est rendu à Nazareth. À Kendeki, dans Nazareth. Où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles les réprouvements de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Les remit aux serviteurs. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La soukéline verset 21. Arrête au niveau du verset 21. Et Dieu a fait sa puissance, la bénédiction avec les tirs. Et le Seigneur nous aide avec la compréhension de ces écritures. Et par la grâce de Dieu, en voulant ensemble, par la grâce de Dieu, nous savons que Dieu va nous aider petit à petit. Le nom de l'année de la grâce, ou bien y a année, ou bien de l'année. Et bandina nous a ouaté par Jésus. Cela n'a pas débuté ici avec Jésus. Déjà, ton monde, déjà nous avions vu, tant qu'Israël a été en Égypte, lorsqu'Israël était en Égypte, tant qu'Alingi a bima, une fois qu'il fallait sortir, Dieu lui avait donné l'année. Vous verrez cela dans Exode chapitre 12. A ici, Bango. Il leur a dit, c'est moi-ci. Oui. Moi, Oyo. C'est moi-ci. Et vous allez pour la bénédiction sur Israël. Sera pour vous, Israélite. Première des mois de l'année. Amen. Pour Israël, moi, Oyo, Oyo, et c'est quelqu'un qui va pour ma moi n'empathie. Parce que c'était le mois-là qu'il fallait que l'agneau soit immolé. Et c'est quelqu'un qui peut prévoir mon bouillasse. Il fallait que le peuple aussi puisse recevoir la nouvelle année. Si tu regardes dans les Écritures, Moïse, dans toute sa vie, akufaka incrédule. Il était mort incrédule. Akufaki à cause du péché.
Il était mort à cause du péché. Et ça significatif. Cela est toujours significatif. Mais à Obika, pendant il sera néanmoins sauvé. Et Nakati à l'Obiko. Et il est compté parmi les gens qui doivent être sauvés. On a éliminé dans l'écriture parce que c'est l'écriture qui n'est pas enseigné. Je veux prendre l'écriture car l'écriture sert d'enseignement. Posez nombre 20. Nous prenons nombre chapitre 20. Dans nombre 20, le Seigneur a dit que Moïse a l'ouba dans le rocher. Dans nombre 20, le Seigneur avait envoyé Moïse afin de parler au rocher. Afin que le peuple m'aime là. Et que le peuple puisse voir. Mais il a sali autrement. Lui avait fait autre chose. Sous un verset 12e et un nombre 20. Tout à l'heure, il y a un combo là, Jésus-Christ. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Parce que vous n'avez pas créé en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc Aaron et Moïse, a contacté pour la mission au bassin. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur péché. Aujourd'hui, Deutéronome, tu prends aussi Deutéronome, chapitre 4. L'écriture des autres de Sabisson. L'écriture nous montre. Dans Ouye, Azo Kokamba, Libotati, Azo Rappelé. Quand Moïse conduisait le peuple et qu'il est en train de lui rappeler. La manière verset 20. Tiens la verset 21. J'ai le nom de Jésus-Christ. Mais vous, Kassidino. L'Éternel vous a pris Yahweh, Akamatidino. Et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte. Il y a Égypte. Na Égypte plutôt. Afin que vous fissiez un peuple qui lui appartient en propre. Comme vous l'êtes aujourd'hui. Verset 21, maintenant, il était mon homme 4. Et l'Éternel s'irrita contre moi. À cause de vous. Et il gira que je ne passerai point les Jourdains. Et que je n'entrerai point dans les